Zinedine Zidane, bientôt de retour sur un banc, c'est l'information qui agite les médias espagnols, l'info transfert qui fait trembler les supporters de l'OM et le choc City-Real qui, pour rejoindre l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions, c'est le programme du journal du foot numéro 1303. Zidane prépare-t-il son retour au Real Madrid? On le sait, Carlo Ancelotti est annoncé sur le départ par plusieurs médias à l'issue de cette saison 2022-2023 pour prendre en main, pourquoi pas, la Seleção, même si l'Italien nie systématiquement cette rumeur en conférence de presse. Une chose est sûre, le Real Madrid ne veut pas se laisser surprendre et prépare un éventuel départ de l'Italien et Zidane serait bel et bien la priorité de Florentino Pérez en cas de départ de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, Zidane a participé à une réunion censée être secrète au stade Santiago Bernabéu. C'est manqué, la présence du technicien français intrigue forcément à ce stade de la saison, mais difficile de savoir si le futur de Zidane a été évoqué lors de cette réunion. Le Real Madrid qui pense également à un éventuel retour de José Mourinho, l'actuel coach de l'AS Roma. Qui sera élu meilleur joueur de Ligue 1? Voici les 5 finalistes pour cette saison 2022-2023 avec les Parisiens Kylian Mbappé et Lionel Messi. On retrouve aussi le Lillois Jonathan David et de Lensois Seko Fofana et Luis Openda. Exit donc Alexis Sanchez ou encore Alexandre Lacazette. N'hésitez pas à donner votre avis. Chez les coachs, cela se jouera entre Paolo Fonseca, Pascal Gastien, Franck Haez, Philippe Montagnier et Igor Tudor. L'absence de Christophe Galtier fait beaucoup parler, d'autant que le PSG est sur le point de conserver son titre de champion de France. Le coach parisien paye sans doute cette fameuse affaire des propos racistes qu'il aurait tenu, même s'il est présumé innocent, on le rappelle. Du beau monde aussi pour le trophée de meilleur espoir de Ligue 1 avec notamment le Lyonnais Ryan Cherki, le Parisien Nuno Mendes ou encore le Monégasque Elias Benseguir. Enfin, voici les 5 nommés pour le trophée de meilleur gardien du championnat de France: Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma, Anthony Lopez, Paolo Lopez ou encore Brice Samba. Les infos en bref: Alexis Sanchez peut-il trahir l'OM en signant au PSG? En tout cas, AS et la Tercera affirment que le club parisien pense bel et bien à l'attaquant chilien pour renforcer son attaque cet été. Le leader de la Ligue 1 aurait noué des contacts avec l'entourage du joueur pour évoquer une éventuelle signature lors du mercato. Information à prendre avec précaution tout de même. À son âge, Sanchez veut surtout avoir la garantie d'être titulaire et il n'aurait pas forcément ce statut à Paris. Autre info, transfert avec Sadio Mané qui pourrait quitter la Bundesliga déjà cet été. Le buteur sénégalais semble tenté par l'option d'un départ d'après Sky Sports Germany. Plusieurs raisons à cela: l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc, sa saison manquée dans l'ensemble et cette fameuse altercation avec Leroy Sané il y a quelques semaines. Les relations entre le PSG et ses ultras se réchauffent. La fracture semblait nette depuis quelques semaines avec ce boycott annoncé récemment par les supporters parisiens, mais une nouvelle réunion a permis visiblement d'apaiser les tensions. La direction veut absolument que les ultras reviennent au Parc des Princes. Ils ont visiblement été rassurés sur plusieurs dossiers concernant la politique du club et notamment le projet de départ au Stade de France. Le projet de rachat de Manchester United n'est toujours pas ficelé. Le Qatar est revenu à la charge. Jassim Bin Hamad Al Thani a revu son offre à la hausse pour tenter de devancer Jim Ratcliffe, le patron d'Ineos et propriétaire de l'OGC Nice. Sur le fil, on est désormais autour de 5,750 milliards d'euros. Kylian Mbappé a tenu sa promesse. La star du PSG est allé assister mardi soir au dernier match de la saison régulière de Boulogne-Levallois, au sein duquel évolue le prodige français Victor Wembanyama, souvent décrit comme le Mbappé du basket. On est différent quand même, mais on n'a pas besoin d'être un athlète de haut niveau ou d'avoir joué à haut niveau pour savoir que ce gars-là est spécial, a répondu l'attaquant parisien. Enfin, la vie privée de CR7 passionne toujours certains médias. Des rumeurs font l'écho de tensions au sein de son couple avec Georgina Rodriguez. La mère de CR7 est montée au créneau sur les réseaux sociaux avec un long message pour démentir les accusations de sorcellerie utilisées pour séparer le couple. La revue de presse, on file tout de suite en Italie où la Gazzetta dello Sport salue la qualif de l'Inter Milan pour la finale de la Ligue des Champions après une nouvelle victoire contre le rival, l'AC Milan, 1-0, cette fois en demi-finale retour de cette C1. C'est Lautaro Martinez, l'Argentin, qui a marqué l'unique but de cette rencontre. Il n'y a pas eu photo sur l'ensemble de ces deux matchs dans ce derby milanais. Du côté de l'Espagne, forcément, on fait monter la pression à quelques heures du match entre
entre Manchester City et le Real Madrid. C'est la deuxième demi-finale retour de cette Ligue des Champions. Il y avait eu un but partout au match aller au stade Santiago Bernabéu. Ça risque de se jouer sur des détails, affirme Marca, qui place Vinicius Junior en une ce mercredi. Et toujours du côté espagnol, mais en Catalogne, le Mundo Deportivo se penche sur l'avenir de Joshua Kimmich, le milieu de terrain du Bayern Munich, qui pense à quitter le club bavarois cet été. Le Barça fait partie visiblement de ses priorités, mais Manchester City est également sur le coup. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner, comme ça on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.